Bonjour, je me permets déjà de vous corriger, c'est Monsieur Meyer, mais je ne vous en veux pas, cela peut porter à confusion. Que puis-je faire pour vous? Vous cherchez un avocat? Si c'est le cas, vous êtes bien tombé. Je serai en ville ce soir vers 21h si vous vouliez me parler. Je suis en ville au Monsieur Kidd, bonsoir. Oui, bonjour Monsieur Meyer. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Vous avez besoin d'un avocat? Non, pas du tout, non. D'accord, dites-moi. Vous êtes où là? Vous faites quoi? Ah là, je vais à un procès. Un procès, d'accord. Ça dure longtemps? Une petite demi-heure, je pense. Ok. Rendez-vous à quelle heure? Vous voulez qu'on se donne rendez-vous? Eh mais je peux participer moi au procès ou pas? Bah je sais pas, vous êtes des forces de l'ordre, vous pouvez peut-être. Mais il y a du public, c'est ouvert au public? C'est à huis clos, mais vous êtes quoi? Vous êtes. Mais je suis inspecteur moi. Ah bah demandez au procureur. Tiens, je vais appeler le procureur, tiens. C'est pour mon équipe. Mais tiens, face à lui comme ça, on parlera pour l'instant. Pas de problème. À tout à l'heure, monsieur. J'arrive, je suis en chemin, je suis à 400 mètres. Oui, Kid? Oui, monsieur le procureur, je me permets de vous téléphoner. Il y a un procès là qui va avoir lieu là. Oui. Moi je peux participer là, c'est ouvert au public là. Bah comment ça? Bah vous faites partie de l'SPD donc oui. Ah je peux venir? Bah si vous voulez y assister vous pouvez, oui. Ah bah je viens alors. C'est un procès de l'SPD donc y'a pas de problème. Ah bon? C'est en investigation menée par l'SPD et verdict gouvernemental, oui. Non bah je viens. Voilà, bon bah très bien. C'est où? C'est au tribunal, c'est à la mairie. D'accord, bah à tout de suite. À tout de suite. Kid. Oui, mais c'est bon, je viens, j'ai le droit de venir. Ah bah c'est parfait. Bah ouais, nickel. Bah à tout de suite. Bah à tout de suite. Hein. C'est qui, monsieur Meyer? Je peux vous demander monsieur un Meyer? Bonsoir, oui, c'est ah, moi. C'est vous, à pile poil, tiens, le premier que je trouvais. Ça va? Bonjour. Vous êtes bien, vous êtes inspecteur. Oui, inspecteur. Allez, venez, monsieur Meyer, je vous parle. Oui, bah attendez, le procès va commencer. Oui, voilà, on fout, de toute façon, c'est déjà condamné. Hein. Vous savez comment ça marche, la justice ici. Ouais, non, dites pas que je vous ai parlé en tant qu'inspecteur, parce que c'est pour les élections. Bonsoir, Kid, vous allez bonsoir, bien? Bonsoir, et si vous voulez, on se voit après? Oui, mais ben, je sais pas on si j'aurai le tous temps. Ensemble. Oui, mais je sais, oui, si vous voulez, mais je sais pas si j'aurai le temps, c'est pour ça. Je viens là et comme oh, ça, je. Mais là, mais c'est pour ça que je viens là, comme ça, je suis pas pris ailleurs, oui. Oui, eh ben, oui, oui. Ah, vous êtes la sécurité, parce qu'il y avait deux brokers qui étaient là, et qui sont allés chercher un distributeur, ils étaient ici. Vous avez vu combien il est rentré ou pas? Oui, Hunter. C'est la 9. Qui? Bon. C'est tout bon, d'accord. J'ai demandé à tout le monde de parler bien fort, s'il vous plaît. Oui, merci, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je voyais pas tout le monde. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Je sais pas. Kid, s'il vous plaît, un petit peu de silence, s'il vous plaît. Dis-moi, c'est juste. Et par où vous êtes là, Kid? Procureur. Monsieur le procureur, Kid. Monsieur le procureur. Excusez-moi, monsieur le procureur. Je sais pas. Pas de juge ici. Vous savez pourquoi? La sécurité, Kid. Ah, c'est vous qui m'avez appelé pour participer au procès. Mais, inspecteur Mason avait très bien fait son travail. Monsieur Kidd, inspecteur Kidd, comment allez-vous? Monsieur Meyer. Ah, bah vous travaillez là, vous, monsieur Meyer? Non, je travaille plus ici. Ah, d'accord. Oh, ça fait au moins 10 minutes. Ah, oui, dis donc, ça fait un bout de temps déjà là. Ça fait, ouais. Le temps passe. Oui. Et vous gagnez pas assez bien votre vie ici? Vous savez, 50 dollars du quart d'heure, on peut parler d'une pince, le patron. Ah oui, hein. Ah bah ça, ouais. Ça c'est pas. Et alors ça, monsieur Meyer, moi j'ai toujours dit, hein. Vous êtes en période d'essai, monsieur Meyer. Oui, bah le SPD, la période d'essai de cadet, c'est bien payé. Ah oui, mais je suis pas à la mairie, hein. Oui, allô? Lieutenant Kidd, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ah bah super, dites-moi. C'était pour. Vous avez postulé au SPD? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous êtes disponible pour un entretien d'embauche? Ah oui, je peux l'être. Dans combien de temps à peu près? Tout de suite. Tout de suite? Et bah ouais, bah c'est bon, bah je vous attends là. Alors je prends un véhicule gouvernemental pour une utilisation personnelle et j'arrive. Et vous travaillez encore? Bah bien sûr, jusqu'à samedi. Ah bah faut peut-être attendre alors. Ah bah je peux déjà faire l'entretien si vous voulez, moi j'ai le temps après. Mais je sais pas. Ah moi je pensais que vous aviez déjà démissionné. Ah non, samedi soir après le dernier procès. Vous êtes présent à mon dernier procès ou pas? Je j'en ai un foutu. Ah d'accord. Surtout un samedi soir en plus. Hello. Oui, monsieur Meyer. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes disponible là ou pas? Attendez, Georges Bécourt, je suis dans le frigo et j'arrive si vous voulez. Eh ben, on fait comme ça alors. Ben, j'ai pas le temps de passer l'aspirateur du coup. Ouais, non, ben vous le passerez après. Oui, ben, bien sûr. Y'a qu'à faire comme ça. J'arrive. Oui, d'accord. Vous prenez comment votre café, Kid? Je vais pas. Vous voulez de l'eau, une bouteille d'eau? Je vais pas, et ça marche pas ça. Et venez avec moi.
la corruption, vous savez. Eh oui, eh oui. Est-ce que je dépense mon argent du gouvernement, vous savez. Mais vous avez démissionné, là, ça y est. Ah oui, oui, oui. Bon, monsieur Meilleur. Le tranquille. Oui, si vous êtes mal... Oui, bah bien sûr que je vous attends. Pourquoi je vous entendrai pas, je suis pas bouché non plus, hein. Un peu trop loin. Oui, non, non, vous inquiétez pas. Si vous êtes fait venir, c'est pour passer un entretien d'embauche pour rentrer au SPD, on est bien d'accord, hein. Ah oui, tout à fait. Mais on est bien... on parle là-dessus tous les deux, d'accord. Oui. Oui, d'accord. Bon, Donc ça se fait que vous postulez au SPD, pourquoi vous voulez rentrer au SPD? Bah déjà, pourquoi est-ce que j'ai démissionné de procureur, peut-être vous voulez savoir. Hein? Bah, j'étais procureur avant. Oui. Bah, je démissionnais du coup. Oui. J'ai démissionné pour venir au SPD du coup. Oui. Non, c'était pour voir une autre facette de la justice. Oui. Je vais pas vous mentir que... Oh là, putain, excusez-moi, c'était un coup de fil important. Oui, là, bah, je peux comprendre. J'arrête où. Oui, alors... Oui. J'étais procureur et derrière la justice, ouais. Oui, oui. Être le procureur, c'est quand même beaucoup de choses, c'est du travail. Et je me suis rendu compte que ma place n'était peut-être pas derrière un bureau complètement, tout le temps, mais peut-être oui. Proche des gens, sur le terrain, à l'écoute de la population. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Vous l'avez appris par cœur, ça, ou comment ça se passe? Ah non? Ah non, vous n'avez pas regardé sur internet, là, vos réponses? Alors, du coup, j'ai parlé entretien d'embauche à l'SPD. Ah oui, d'accord. Et non, mais sait-on jamais, vous savez, on a déjà fait le coup, hein. J'en ai passé, je sais pas combien, des entretiens. Hein. Non, non, c'est pour je m'occuper de la vermine qui traînait en ville. J'ai envie de continuer, mais de me nier sur le terrain. Oui, d'accord, d'accord. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez me citer trois qualités que vous avez? Pauvre. Oui. SDF. Oui. Mon PPA. D'accord. Ça, c'est des qualités? Je sais pas. Non. Non, mais des qualités humaines, vous voyez? Je sais pas. L'esprit de groupe, la communication. Oui. Et l'investissement. Ah, d'accord. C'est bien. Est-ce que vous pouvez me citer trois défauts? Je suis un agent en poste 37. 15, je vous laisse prendre. 61, j'y suis avec un cadet. Je peux voir ce que c'est. Trop stylé, des fois. 14. Attendez, si c'est pour un entretien, vous le faites attendre en bas, j'irai chercher plus tard. 10-4. Et c'est quoi les trois défauts du coup? Je dirais déjà je suis peut-être trop strict avec moi-même des fois. Ouais, exigeant, ouais. Exigeant, ouais. Perfectionniste, on peut dire. Perfectionniste, oui. Ouais, 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 ouais. Et parfois, on se burn-out hein, des fois, mais non. Oui. J'ai pas fait de burn-out encore ça. Suspicieux quand même. Oui, méfiant de tous les deux. Vous avez un flag au niveau de l'aéroport, un individu habillé en gris. Ensuite gris, il est en train de dire, je sais pas. 63, je me rapproche. Il y en manque une, hein. Ouais, là, mais des fois j'ai du mal à m'attacher avec les gens parce que pour moi, il faut qu'il y ait un lien entre les gens, je sais pas, pas social, mais. Il est en train de prendre la... J'ai pas le côté aller vers la personne en disant, viens, on va devenir amis. D'accord. Il y a un feeling, il faut... Ouais, vous me comprenez, voilà, vous avez compris. Oui, d'accord, d'accord. Est-ce que vous aimez travailler en équipe? Oui, j'adore. Ah oui, vous adorez ça? Ah oui, j'ai travaillé avec le procureur Sutherland et le procureur Hunter. Eh oui, oui. Et justement. Travailler en équipe, hein. Justement. Prochaine question. N'êtes-vous pas trop qualifié pour ce poste? Non, je pense pas. Personne n'est pas trop qualifié. Regardez, est-ce que vous êtes trop qualifié, Kidan? Oui, mais moi, je suis de l'MST, moi. Et vous étiez procureur. Ouais, mais la seule chose que je peux apporter, c'est ma connaissance de la loi. Eh, c'est vrai, oui. Direction Nord. Connaissance du terrain, tout ça, c'est chi, hein. Et que... Je vais essayer de me rapprocher. Quels sont vos centres d'intérêt? Oui, c'est une poteau. Marron clair. Parce qu'il n'y avait pas dans le CV, vous savez, on met toujours... Ah oui, alors moi, j'aime bien l'escalade. Oui. La natation. Oui. Et l'investissement immobilier. D'accord, ok. Ok, ok. Vous avez fait quoi comme LV2 au lycée? 23, 9, 9, 9, sur la pente. Anglais. Vous parlez couramment ou c'est niveau oui, niveau bac? Ça je dis, hein. Oui, bien sûr. Niveau bac ou niveau... Ouais, non, si, c'est bien. Niveau... oui, oui, bien sûr. Comme ça, oui, comme vous dites. Pourquoi...
devrait vous prendre vous là plutôt que l'autre qui attend en bas là. Parce que. Mais moi, vous savez que. Je suis pas quelqu'un de corrompu qui vient pour foutre le zouk. Je pense qu'en tant que procureur, j'ai montré hein, mes qualités de justice, de vouloir contrer et vilain gardement qui hante cette ville. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes en train de dire que l'autre en bas, c'est un corrompu? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que vous savez? Ah mais je vous, sais pas, vous accusez quelqu'un là tout de suite sans le connaître. Alors, mais je alors qu'il y a 5 minutes, vous nous disiez que vous aviez l'esprit d'équipe. Bien sûr, mais bon. Je me vends, moi. Oui, mais vous êtes déjà en train de taper. Mais non, je en train de moudre du café sur le dos des autres. Ouais, mais je savais pas. Vous me demandez pourquoi est-ce que je voudrais être plus que lui. Hein. Oh, je sais pas, moi je. Ah, bah, parce que je viens postuler aussi. Eh ben oui, forcément, bah oui. Ouais. C'est vrai ça. Au niveau du matin. Oui. Vous mettez le réveil le matin? Oui. Oui, vous levez bien ou faut plusieurs réveils? Il faut qu'un seul réveil. Un seul réveil et vous levez directement? Ah ouais? D'accord, c'est bien ça. Vous en mettez plus vous? Non, c'est une question pour vous. Hein. C'est et comme j'aime bien dire aux criminels, hein. C'est nous qui posons les questions ici, c'est pas vous, c'est meilleur. D'accord. D'accord, bon bah très bien, monsieur Meilleur. Je vais faire ça. J'ai noté tout. Là, j'ai noté toutes vos réponses. Je vais mettre ça sur l'ordinateur. Ça va me sortir une note. Donc, je vous demande de patienter en bas, d'accord? Mais pourquoi d'accord. Vous alors plutôt que le en bas? Oui, j'en sais rien. Je le connais pas. Hein. Moi, j'aime pas que je suis sur les gens, vous le savez. Hein. Et, mais on... avec moi, c'est un gage de qualité. Ouais, lui, et lui, il a pas hésité à cracher sur vous. Hein. Super. Et puis, il était bien comme il fallait. Hein. Ah oui? Ah ouais? Il s'appelle comment? Ah bah ça pour l'instant on peut pas vous le dire, c'est dans les dossiers du SPD, vous savez. Eh, les dossiers du SPD. Eh oui. Monsieur Meilleur, monsieur Mendez, je vous demandais de me suivre s'il vous plaît. Oui, rapido. Vous lève. Hop. Mais oui, c'est plus pratique, vous avez pas de dire en rapport, monsieur Meilleur. Je veux pas 3 minutes en ce moment. Donc merci déjà. Et j'ai oublié. Bon du coup je viens de dire. Vous avez eu le temps de faire connaissance tous les deux? Ah oui, on discutait. Ah oui, on avait discuté, si, si. Et on s'expliquait sur le cassage de sucre. Ah oui, bah c'est bien. Alors, messieurs. J'ai mis vos notes dans l'ordinateur, là. Enfin, vos réponses dans l'ordinateur. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 32-46, on s'approche. Commence par laquelle? Mauvaise. La mauvaise, c'est que vos notes c'est de la merde. Super. Ouais, c'est pas bien. La bonne, c'est qu'on se fie pas aux notes de l'ordinateur. Donc du coup, on va aller passer les tests physiques. En fait, les notes d'ordinateur, je sais pas pourquoi on le fait. Et c'est une intelligence artificielle en fait qui calcule votre état d'esprit, vous voyez. Donc l'ordinateur a dit que c'était vraiment nul à chier, mais bon. Oui, super. Vous en pensez quoi, vous? Bah moi, j'en pense pas moins. Du coup, on se fie pas l'ordinateur, alors ça va, quoi. Allez. T'as mis une tête de spoil et tout? Eh ben oui, attendez, c'est un commissariat, hein. Incroyable. Donc, est-ce que vous êtes habillés en tenue de sport, tous les deux? Non. Bon, bah mettez-vous à l'aise, je sais pas, moi, faites quelque chose, mais... Ou alors, je vous attends, vous allez vous changer à côté, mais bon, on va pas se sortir, là. Ouais, bah, faites ça rapidement, hein. Ouais, bah ouais, vous faites ça tous les deux, là. Allez. Oui, si vous voulez. Bon bah, dépêchez-vous, là, je vous attends à l'accueil. Là. On sort par où Et là, vous allez tout droit, à gauche, au bout du couloir, tout droit. Et on fait comme chez nous? Ouais, ouais, dépêchez-vous, là. Ouais, c'est génial. Ah bah, c'est pas trop tôt, ouais. Ouais, suivez-moi, on se dépêche, allez, hop. Non, c'est que la prochaine fois qu'ils demandent une info, ils iront bien se faire enculer. Hein. Et donc c'est... La communication est sérieuse. Ah oui, mais c'est... l'important c'est de communiquer, vous savez, entre tout le monde, entre tous les services. Là, je vous... C'était la capitaine d'ailleurs, hein. Je la présente. Il est grand. Je viens d'arriver, j'ai un peu de... J'ai remarqué, mais... C'est faute, j'ai pas voulu la déranger. Ouais, elle a l'air de bonne humeur, la sueur. Ah oui, je vois ça. bon. Plutôt que vous dire de faire des tours de commissariat, vous allez vous mettre sur les tapis roulants, là. Vous allez courir là. Allez, c'est parti. Et commencez là. Pourquoi vous arrêtez déjà là? Faut courir là.
On y va. Vous courez là, vous marchez pas là, vous courez hein. Oui, bonjour. Oui, à des jeunes. Ah ouais. Comment ça, t'as monté ton petit truc de ton teco, c'est quoi le DEL? Un petit truc de mon teco. Bah t'es éducateur, c'est quoi le DEL? Du capteur, comment ça? Non, éducateur. Ah bah c'est un peu pareil là. Mais non. Tu fais ça toi. Mais quand je vous dis d'arrêter là, mais continue à courir là. Bang. Fais ça là, coup de pied au cul, ça merde la pute là. Mais oui, bah c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, monsieur, oui. Dis-toi que tu dois courir. Ça file droit. Bah oui, tout à fait, oui, faut que ça file droit, oui. Bang, je t'appelais là, bah du coup, tu dois être sur le rinté là. Mais oui, bah non, bah on se rappellera plus tard du coup. Bah ouais, moi je t'appelais pour qu'on se voit hein, là-bas. Eh oui, bah ouais, mais moi je peux pas là. Ouais, bah écoute, on se rappelle. On se rappelle, comme d'habitude. Bang, vas-y, bang, on va bang, et bang, allez. Bang. Ouais, bang, bang. Allez, ciao. Salut. Oui. Et vous en êtes à combien de minutes là? Combien de mètres vous avez fait? Il y a combien sur les écrans là? Ouais, il y a presque 3 minutes là. 3 minutes? Ouais, bah c'est pas. Bah continuez encore, hein, continuez. Oui, super. Et pour l'échauffement, n'allez pas vous claquer hein, quand on va faire les vrais exercices. Vous avez compte se faire un ligament ou... Eh oui, on a des beaux tapis roulants, faut s'en servir quand même. Ah non, mais bien sûr, vous êtes tout à fait. J'attends. Vous en servez, vous, lieutenant? Ben non, j'ai pas besoin. Ah oui, d'accord. Eh oui. Vous êtes toujours échauffé, vous? Eh oui. J'ai envie de claquer dans le punching ball là, mais j'ai peur de vous mettre un coup. Ah non, oui. Tiens. Allez, on continue, on s'arrête pas. Hein. Je me rappelle à un coup de lampe torche. Allez, encore 10 secondes là, et comptez de 10 à 0 là, ensemble. 10. Ensemble, allez. 10. Oui, c'est bien. Tu dis 10. Et... Mais compte aussi. 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Voilà, c'est bon, vous pouvez descendre. Faites attention que vous descendez, n'est pas trébuché, hein. C'est dangereux les tapis roulants. Ok, bon, faites des étirements un peu, c'est super important de s'étirer. Ah, carrément. Eh oui, c'est fatigant. Hein. Petits étirements, petits trucs comme ça là. Parce que là, on va taper dans le dur là. Taper dans qui? Dans le dur. C'est qui le dur? Bah, ça veut dire que ça va être dur quoi. Ah, si, si. Allez, hop. Vous dites quand vous vous sentez bien là. C'est surtout vous là, c'est pas à moi de vous dire quand vous arrêtez, c'est quand vous vous sentez bien tous les deux. Ouais, je vais faire du stretching postural. Et quoi? C'est ça du stretching postural là? Postural. C'est ça là? C'est pour éviter les claquages lombaires. Ah oui, d'accord. Stretching du Portugal? C'est à côté de chez vous ça, monsieur Mendez, non? Si. Et c'est pas loin de Rosas. Vous savez ce qu'on dit de Rosas, monsieur Mendez? Hein, dites-moi. C'est la porte entre l'Espagne et la France, et quand il y a du vent, on dit que les Français ont oublié de fermer la porte. Et ça, je peux pas l'inventer là comme ça, ça on me l'a vraiment dit un jour. C'est bon, moi, je suis bien là. C'est bon, vous êtes bien là? Ah oui, je suis bien là. Allez, venez. Alors là, vous allez vous mettre chacun d'un côté des barrières. Chacun d'un côté, je vais de l'autre côté du coup. Ah bah non, de ce côté-là, enfin chacun une colonne quoi. Oui, ça fait. Improvisé, non? Ah non, pas du tout, non, c'est la procédure. Non mais vous croyez que les barrières elles sont tout le temps là, on les a placées bien spécifiquement. Donc là, vous connaissez le film Hunger Games? Si, mais c'est au cinéma, non? Oui, bah, en fait, là, c'est un peu pareil, mais en moins pire. C'est-à-dire que le dernier qui arrive, bah, du coup, deuxième après les barrières, du coup, il sera pas pris au SPD. Donc, en fait, il faut qu'on saute jusqu'au fond, qu'on revienne ou... Ouais, vous sautez jusqu'au fond et vous revenez. Mais j'ai perdu une cheville, moi. Et le perdre, bah, c'est pour ça que vous avez couru et que vous êtes étiré. Bah, on peut arriver en même temps, comme ça, l'esprit d'équipe. Ah, bah, ça, après, c'est vous qui voyez, c'est un exercice, hein. Attention, monsieur, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, les règles sont définies, elles sont communiquées, vous les connaissez. Donc à mon top, vous allez partir, d'accord? Oui. On arrive en même temps si tu veux, on s'attend à la dernière. Allez, je fais. On revient ici du coup. Oui, vous faites un retour. Hein. Allez. Donc c'est à top. Et le top il vient après le 3, d'accord? Ok. Et le 3 vient après le 2, et le 2 vient après le 1. Donc vous dites 3 et après top. Non.
Je dis 1, 2, 3, et top. Oui, donc tu as un peu d'accord. Ah, téléphone, attendez. Oui. Oui, vous prenez quoi, bordel? Je fais les exercices physiques des nouvelles recrues, là. Ah, faites des exos physiques encore? Ben oui, encore, ben on vient seulement de commencer, là. Ils ont couru un peu sous le tapis de course, ils s'étirent, et puis là, ils vont sauter les barrières, là. Pour savoir qui c'est qui est éliminé. Vous savez, vous pouvez faire ça en sergent ou en sergent-chef. Non, 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 mais bah après, je lui refilerai un sergent-chef, oui. Après oui. Pourquoi après? Et, mais qu'est-ce que vous voulez quoi de moi, là? Mais que vous soyez dans le bureau du Cap, quoi. Eh, tout de suite, là? Bah, le plus tôt possible. Bon, bah, d'accord, bah, ok, ça marche. Refiler le bébé. Oui, à tout de suite. Ciao. Allez, on a plus le temps, vous êtes prêts? Si. 1, 2, 3, top. Il reste encore deux. Continue, Mendes. Et une. Des choses bizarres. Oh, oh, monsieur Mendes a fini avant vous, monsieur Meilleur. Ah, oh, monsieur. Zut. Oh, moi j'ai vu en même temps quoi. Ah, en même temps. Ah oui, j'étais derrière, j'étais pas bien aligné. Alors, ah, moi j'ai vu aller exactement. Ah, c'était en même temps. Ah, d'accord. Si, si. Bon, bah, vous avez fini en même temps. Alors, personne n'est éliminé sur cette épreuve. Bravo à vous. Deuxième épreuve. Venez avec moi. Et aussi éliminatoire celle-là. Comment? Aussi éliminatoire celle-là. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Donc là, vous allez partir en même temps l'un à côté de l'autre et vous allez slalomer entre. Regardez, je vous montre. Bah, je vais le faire en marchant, moi je vais pas courir. Hein. Hop, yeah. Ici, comme ça. Comme ça. Voilà, d'accord. Oui, c'est pas bon, ça. Et après. Et après, une fois là-bas, une fois arrivé au dernier, vous sprintez jusqu'à moi là. Et vous faites 10 pompes, d'accord? Oui. Et c'est là où on avait vraiment les phalanges collants là? Ah bah oui, hein. Vous êtes seul de vous, Yann? Ah bah vous faites comme vous voulez, mais okay. Et comme vous le sentez, hein. Oh, d'accord. Allons-y, hein, et par contre, le slalom, on est d'accord, là vous avez passé à droite de la cocotte. Ah oui, bien sûr. Oui. Et donc celle-là, faut que vous passiez de quel côté? Celle-là, là. Et c'est le. Bah, c'est pas le même, hein, c'est pas le même. Hein. Tu commences là et tu fais droite, là. Hop là. Eh oui, faudrait limite. Eh oui, ouais, comme ça, ouais, voilà, ouais. Oui. Et Bruce, je vois bien que vous êtes pas souple, alors vous avez commencé à la ligne comme ça, là. D'accord? Vous êtes prêts? Toujours pareil au top, hein. Si. Oui. Et le dernier, bien sûr, éliminé, il sera pas recruté au SPD. Oui, tout à fait. 1, 2, 3, top. Oh, ça triche, là. Okay, Oui. Alors, je me dis quand t'es prêt. 3, 2, 1, et non, pompe là. Allez, vous comptez en même temps. Allez. 1, 2, mais pompe. Allez. Ah, c'est terrible, monsieur Meilleur. Là, vous allez être éliminé, monsieur Meilleur. Tu pouvais pas te mettre à l'air. Ah, bah, vous êtes à 10, là, c'est bon. Il y a qui va, c'est bon. Bah, c'est bon, vous pouvez vous relever, c'est bon. Du coup, vous avez fait ex-aequo quasiment là, non? Si, tout à fait, oui. C'est pareil. Ah, oui, pareil encore là. Bah, c'est pas bon pour les chiffres là. Vous êtes obligé de vous recruter vous deux là. Ah, oui, c'est vous qui voyez, non? À moins que je prenne les chiffres des temps que vous avez fait, que je les mette dans l'ordinateur et que je joue l'ordinateur ce qu'il me dit. Merde. Oui, mais l'ordinateur c'est la merde, vous avez dit. Oui, c'est vrai. Faut pacifier, vous avez dit. Oui, c'est vrai. Bah, suivez-moi. Bon, messieurs. Si. Félicitations, vous êtes embauchés tous les deux. C'est gentil ça. Voilà, monsieur Meilleur, bienvenue au Lespidi. Monsieur Mendes, bienvenue au Lespidi. Alors, attendez, j'ai pas fini, je crois. Ah, j'ai pas fini. C'est fini. Voilà. Bienvenue, Kadé. Merci. Bienvenue, Kadé. Voilà, suivez-moi. Oui. Il y a un agent qui va s'occuper de vous là. Super. D'accord. Il arrive, il est au SMS. Donc en attendant, bonsoir, ça va 03? Ça va. Je vous présente deux nouveaux collègues là, deux nouveaux cadets. Bonjour. Bonjour. Dans le miroir. Bienvenue. Oui. Et je vous présente 03. Oui, c'est ça. Oui,
Je croisais. Voilà. Et d'accord. Il est sorti le mec en cellule ou pas ? Du coup. Je pense trop bien. Là, en attendant l'agent qui revienne du SMS là, pour vous filer l'équipement, tout ça là. Vous avez passé la serpillière là dans le vestiaire là, c'est dégueulasse. Sérieusement ? Comment ? Sérieusement ? Et je sais pas, j'ai l'air de rigoler. C'est le temps. Mais c'est que le lieutenant, mais il sait pas. Il arrive d'ici 2 minutes là. Bon, bah, donc il vient vous récupérer ici. Il vous donnera tout l'équipement et tout. Voilà. Bon, bah, je vais commencer là-bas alors. Oui, bah, commencez, répartissez vous le travail, travaillez en équipe. Hein. Oui, hop là. Voilà. Je lave les douches. Mais faites donc, meilleur. Oui. À tout à l'heure. Oui, merci, à tout à l'heure. Au revoir. Bah, c'est le bordel, c'est les nouveaux cadets là. Ils sont en train de nettoyer les vestiaires. Et venez avec nous les deux là. Venez avec moi. 05. Oui. Je vous ai mes référentes d'un cadet. D'accord. D'un nouveau cadet. Ok, pas de soucis. 05. Oui. Attention, c'est l'ancien procureur alors. Du coup, les cadets. Ah, merde. Eh, bah, faire attention. Attention. Disquette. Et disquette. Par contre, vous pouvez y aller. Hein. Ouais. Eh, moi, je suis 03. Je vous la gueule un peu. Vous avez pas accès. Ah, okay, faut en profiter, hein. Attendez. Je vais regarder qui est là quand même. Ouais. Ah bon, meilleur.